Et comme je suis pêcheur, ben la vie pour moi, pêche pour moi, c'est la vie quotidienne de ma famille. Ça nourrit ma famille, ça me rapporte d'argent. Ça que je pratique. Alors la pêche pour moi, c'est très très important. Je suis Wallisien, je vis actuellement à Futuna. Et je vis actuellement à Futuna depuis l'année 1977. Donc les gens, ben, il faut que le moyen d'aller à la pêche pour avoir de quoi nourrir leur famille. Et avec les coutumes, les fêtes religieuses, toutes les fêtes qu'on fait. La pêche que je pratique actuellement, c'est souvent la pêche au large, c'est-à-dire la traîne, ballon-crotte. Mais si la mer ne permet pas de sortir, je pratique la pêche sur le platier, c'est-à-dire avec le filet, le pervier. Parce que c'est très très rare que je rentre produit. Alors là, la pêche durable, ça a beaucoup changé actuellement. On essaye d'aller sur le platier, on attrape que des petits poissons. C'est peut-être avec un changement climatique. En plus, avec, avec les éboulements de la terre qui descendent des montagnes, qui polluent la mer, qui tuent les coraux. Je crois que c'est ça, quoi. Comme la ressource. Et puis on a remarqué que ça devient de moins en moins le poisson, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dessus. Moi, étant comme un vieux pêcheur, moi je sais que c'est canne-pain pour la vie des gens à Futuna. Alors c'est que moi j'aimerais, parce que pourquoi pas mettre des TCP un peu partout. Un peu partout. Ici à Futuna, il y a pas mal de au fond ici à Futuna. Il y a quoi? Il y a 300, 400 mètres. Ça, c'est des endroits où on met les balises comme ça, ben on sait que c'est sur place et ça capte le poisson sur place. Voilà. Pour ça, moi, je conseille aux jeunes qui n'arrivent pas à leur solitude d'essayer de t'encourager à la pêche. Mais la pêche, c'est facile. Il suffit d'avoir un bateau, d'avoir les matériaux nécessaires. Tu sors et tu attends que les poissons montent. C'est ça que je pratique. Alors, la pêche pour moi, c'est très, très important. Pour ça que pour moi, la pêche, tant que je suis encore en forme, je pratiquerai la pêche jusqu'à la fin.